Voilà, merci beaucoup. Monsieur Médarkin Colongo, bienvenue. Merci Jean David pour l'invitation. Voilà, tous derrière les FRDC. Les FRDC, avec ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout le monde a besoin certainement de soutenir. Mais déjà, ici, le ministre de l'Intérieur demande à toute personne qui porterait un accoutrement semblable à celui des militaires, il sera arrêté. D'abord, notre parti s'oppose à ces mesures que nous passons, que c'est pour décourager, démobiliser notre peuple. Le ministre a beaucoup à faire. Il y a cette histoire de Koulouna qui surgit tous les jours. Il y a assez de problèmes. Il doit sécuriser notre peuple. Au contraire, lorsque nous portons ces tenues qui, normalement, ne sont pas des tenues, il y a comme des pétagones qui existent depuis longtemps. En voulant décourager les gens, démobiliser les gens, je pense que je m'oppose. Je demande au ministre de travailler sur le terrain, que de se greffer de des histoires purement inutiles. Notre armée aujourd'hui a besoin d'être soutenue. Mmh. Et nous pensons au niveau du Congo en avant que l'armée a montré... Et comment vous comptez soutenir notre armée? Mais d'abord, en montrant qu'on les accompagne, je vous avais dit autrefois, Jean-David Kilolo, qu'il n'y a aucune armée au monde qui peut gagner la guerre sans l'accompagnement de son peuple. Et nous devons les accompagner. Nous voyons à l'Est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, cette conscience où les gens pensent qu'il faut mettre fin, c'est pour cette fois-ci avec le Rwanda, dirigé par M. Kagame. Et aujourd'hui, j'étais même estomaqué de voir que notre gouvernement relaye indirectement les discours de Kagame. Comment? Est-ce que vous savez aujourd'hui, au lieu de parler de Bunagana, et est en train de dire, non, on stigmatise les Rwandais, on fait ceci. Et vous avez mis les 6 chefs d'État à Nairobi, relayer le même discours, tout en n'est pas aussi condamné Rwanda et la M23. C'est inadmissible. C'est donc nous relayons. Vous aviez échoué politiquement et diplomatiquement. Écoutez, ici, ce n'est pas un problème de positionnement personnel. Lorsque le pays est attaqué, nous mettons d'abord nos clivages personnels, la politique, autant que Jimmy Met. Battons-nous d'abord pour nos terres, après nous allons revenir pour nos divergences. Si vous voyez un acteur politique aujourd'hui en train encore de combattre, même de discours des séparatistes, cet homme-là n'est pas congolais. Aujourd'hui, et les journalistes, et les politiques, nous nous battons d'abord pour récupérer nos terres, et après, nous allons discuter autour de nos positionnements, nos querelles interminables politiques, ou autres, toi qui j'y me mette, nous savons comment ça se passe. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il est le grand temps. J'ai même vu le sénateur et le député national de l'AFDC, autour des débats du Kwebo, soutenir encore ces forces armées. Nous avons vu même dire que non, il accompagne Tshisekedi en 2023 et même... Pourquoi vous ne consultez pas ceux qui ont défait l'M23 en 2013? Bon, vous savez, je ne vais pas encore amener des discours séparatistes parce que ces gens-là, eux-mêmes, ce sont qui sont derrière ce qui se fait maintenant. Est-ce que vous avez des preuves? Mais je vous dis, ils ont voulu obtenir dialogue, ce dialogue ici avec des marches, avec, comment on appelle ça, les blocs patriotiques, ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, ils ont transformé d'autres méthodes pour y arriver. Et moi, je pense que le plus important, je vous avais dit autrefois que le géniteur même d'IM23, c'est le CNDP de Laurent Kondabatore, qui dirait que ça a été protégé par Kinshasa, qui se trouve actuellement au Rwanda. Nous savons, nous connaissons le joueur LRG. Donc nous ne pouvons pas au jour d'aujourd'hui... Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui disent que s'il y a la guerre, c'est qu'il y a certaines négociations qui ont été mal entamées par les régimes en place, par les régimes du président Félix Tshisekedi. C'est qu'il y a eu certains accords. Et aujourd'hui, quand bien même il a demandé à ce qu'il y ait la suppression de ces accords, c'est que ça a été très mal entamé. Mais vous avez vu d'ailleurs, et Tshisekedi a été clair, il n'y aura pas cette fois-ci des mixages et brassages.
et le M23 est en train de réclamer. Je vous dis que c'est depuis 2009 que le M23 a signé des accords avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tu sais qu'il est là dans même les processus année, même cette de année, continuité. Bon. Celui qui est venu avant vous, il a dénoncé, il alors, a parlé alors, des accords alors, de 2019, alors, 2019-2020. Aidez-moi, permettez-moi de ne pas commenter jusqu'à ce que j'ai aussi ces documents, parce que je ne suis pas en possession de ces documents, mais allez-y, comprendre, je ne peux pas commenter, c'est quelque chose dont je ne connais pas ni les tenants, les aboutissants. Mais le plus important aujourd'hui, à mon niveau, j'ai lu les accords signés en 2009. Ça, c'est très loin, 2009. Mais laissez-moi. Maintenant, en 2019, et c'est ce qui a été c'est ce que l'M23 réclame jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu sais qu'il s'oppose. Parce que l'M23 pense qu'il faut aussi... réclame les accords. Il faut le mixage. Les accords de 2019. Non, je vous ai dit que les accords dont vous... Il faut qu'il y ait une brigade. Les accords dont vous me parlez, je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants, mais je peux vous dire que non. Ce que je sais, c'est qu'ils réclament les accords signés en 2009 avec M. Mélenchon. Ils ont été défaits. Ils ont été défaits en 2009. 2012. Laissez-moi, j'arrive Jean-David, signé avec M. Raymond Tshibanda, et aujourd'hui, il plaide pour l'applicabilité de ces accords, et moi, je pense que Tshisekedi refuse, et d'ailleurs... Ils ont été défaits en 2012. Mais exactement, j'ai alors, il y a la résurgence 10 ans après. C'est-à-dire que les accords ont mais été signés... Mais c'est le même fondateur. Écoutez, les gens qui connaissent bien comment l'M23, ils ont fabriqué, ils ont échoué sur le terrain politique. Par ils rapport ont aux accords, nous, nous sommes en train de je parler vous donne des révélations des accords de 2019. Et vous ne comprenez pas. Les accords de 2019. Votre prédécesseur a dit... Mais vous me dites des accords... La brigade spéciale d'intervention. Et cette brigade spéciale d'intervention, il a parlé. Sera composée de tel troupe, tel troupe, tel troupe. Alors, Jean-David. Il a même parlé, il dit, de Faustin Mounen. Est-ce que vous savez que vous êtes un journaliste que je respecte beaucoup? Il y a ce qu'on appelle en communication les confrontations des sources. Oui. Vous ne pouvez pas, sur ces plateaux aussi sérieux comme Télé 50, m'amener une information qui n'a jamais été confrontée. Et m'amener, moi, débattre sur ça. Mais, là, vous avez suivi votre prédécesseur. Mais je vous ai ça dit ne vient pas de moi. Il faut... Ça vient de votre prédécesseur. Mais quand même, bon journaliste, vous savez qu'en communication, on conforte les sources. Mais voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Mais il n'y a pas d'autre source. Mais vous avez suivi. Mais j'ai suivi. Peut-être qu'il a raconté des choses. Laissez-moi le temps de revérifier l'information. Et si et seulement si c'est vrai, moi, je n'accepterai jamais... que le gouvernement de Tshisekedi signe des accords pour mettre mon pays à genoux. Le Congo est plus important que des appartenances politiques. Là, je dois combattre. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui s'est fait, par exemple, à Nairobi maintenant. Mon parti ne partage pas totalement ce qui se passe à Nairobi. Moi, je pense que nous avons assez de groupes armés à notre pays. Il était grand temps d'être derrière nos forces armées qui ont montré qu'avec l'appui de notre peuple, nous pouvons vaincre le M23, vaincre le Rwanda. Mais vous savez aussi, j'aurais appris que le Rwanda ne participera pas. Je m'entre guillemets. En fait, mesdames, quand on ne se bat pas autour des individus, le Congo est plus important que nos positionnements personnels. Et je comprends que Jean-David est dans ces histoires de polémiques. Il n'y a pas de polémique. Comme nos amis du CCC. Ce sont des questions qu'on vous pose. Allez-y, répondez à la question. Mais je réponds aux questions. Oui, parce que ce n'est pas le temps de polémiquer. C'est facile, pour vous de citer le FCC. Les comme géniteurs. Non, c'est de citer facilement le FCC, alors qu'au lieu de donner des pistes de solutions par rapport à ça, mais il y a des accords dont on ne sait pas la teneur. C'est-à-dire qu'on a demandé la suppression de ces accords, mais ces accords n'ont jamais été divulgués. Votre prédécesseur l'a dit. Si vous voulez qu'on puisse supprimer ces accords ou qu'on puisse suspendre ces accords, mais pourquoi ne pas le mettre à la disposition du public pour qu'il voit. Mais vous le dites très bien, mon prédécesseur. Je vous ai dit que je ne suis pas en possession. Pourquoi vous m'amenez sur un terrain dont je ne maîtrise pas? C'est que lui, il a lu avant alors vous. Alors le téléspectateur comprendra que non, il est... Yangou sur Roche, non, avec Jean-David Kilolo. Il a lu avant vous. Non. Comme un bon journaliste, vous devrez d'abord, même vous n'êtes pas en possession de ce rapport. C'est sur ce plateau qu'il vous lit quelques textes que vous considérez comme d'accord. Moi, je pense que c'est... Alors, Congo en avant, par rapport à ce qui se passe à Nairobi, vous êtes contre pourquoi? Non, moi, je pense que nous devons donner force à nos forces armées. Je vous disais dès l'entame que nous avons, par exemple, salué ce qui s'est fait au niveau de notre regroupement politique, où nous avons vu le député national et le sénateur
condamné l'agression et vous m'avez posé la question autrefois, si Batiluke aurait quitté l'Union Sacrée, et vous avez la réponse, vous avez dit que lui-même a dit qui soutient nos forces armées, qui soutient le président de la République en 2023, et le sénateur, oui, et le député national, voilà, et le national, Matata Ponyo soutient les FARDC, Moïse Katoumbi soutient les FARDC. Est-ce que toi tu as vu Katoumbi soutenir le FARDC? Jean-Pierre Bemba. Mais vous racontez les histoires. Mais Jakinda l'a séquipé. Toi, tu n'as pas suivi Jakinda. Jakinda là, il est souterrain. Alors, laissez-moi, je vais vous dire. Il est sous la bénédiction de son président Katoumbi. Voilà. Alors, pour dire que maintenant, vous avez vu et le député national et le sénateur de l'AFDC alliés soutenir nos forces armées, condamner l'agression, renouveler leur confiance, attachement au professeur Modeste Batiluke Bouké, le président du regroupement et président statutaire, et aussi soutenir le vice-président Tshisekedi en 2023. Donc, le rumeur Sissi Bati a quitté l'Union Sacrée, c'est faux et archi faux. Il demeure au sein de l'Union Sacrée, malgré les coups bas, malgré nos amis qui viennent à peine arriver avec un parti politique sans élite. Il est l'ombre de lui-même qui vient se comparer à un parti politique implanté sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est le peuple qui tranchera en 2023. Au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vous ont dribblé. Et c'est le peuple qui tranchera en 2023, comme nous pensons que le regroupement implanté sur l'ensemble du territoire national. Elle présente ce qu'il peut compter sur ces regroupements. Mais nous, nous disons, il est grand temps de nous mobiliser. Il peut aussi compter derrière... sur Christophe Mbosso-Kodia. Oui, au camp Luka, je sais, il contrôle un quart du camp Luka. je lui concède, mais notre parti Congo en avant contrôle, puisque la moitié des camps Luka, il a un quart. J'ai une polémique face à ça. Mais monsieur Asselo, il est grand temps d'arrêter avec vos mesures impopulaires qui démobilisent notre peuple. Pas question de ces histoires-là. Il est grand temps de nous réunir autour de notre armée. Merci. Et non pas de nous Merci démobiliser. Médard Kankolongo, ça a toujours été chaud avec vous sur cette plateau. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. La grande édition de Christopher Ochokoum. Restez branchés sur TV 50. Nous vous portons à cœur, vous qui êtes au front, vous qui êtes au niveau de l'Est de la RDC, toute la RDC, tous les peuples congolais et derrière vous. Comptez-vous très bien que le Seigneur procure la paix à la RDC.